Hey, salut à toutes et à tous les gens, c'est Bitrix et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour la Astrodeck Caclan avec Monsieur Titi, donc Titi notre commentateur qui nous a fait une nucléaire avec la nouvelle arme, la FFAR, putain j'ai toujours du mal, ça fait 3 fois que je le refais et à chaque fois je me trompe sur le nom de l'arme, donc je vais dire FAMAS remasterisé parce qu'en fait c'est un remake de la FAMAS de BO1, pas de MW2, donc de BO1 parce que de toute façon bah, c'est Treyarch donc ils font les armes de leur jeu, tu sais qui parce que dans MW2 je sais que la FAMAS elle faisait des tir coup par coup et donc j'étais vraiment content de voir qu'ils avaient refait la FAMAS parce que bah voilà j'adorais certains sur BO1. BO1 c'était mon premier code en ligne, pas mon premier code hein, mais juste mon premier code en ligne parce qu'à l'époque j'avais pas internet et donc bah voilà j'avais adoré cette arme à l'époque, que ce soit en zombie que en multi, même si en zombie elle était pas aussi ouf qu'en multi, mais voilà j'avais adoré cette arme et je suis content qu'ils la mettent sur sur BO3 tout simplement. Je sais pas si elle est en zombie, donc dites moi si elle est en zombie ou pas, ce serait marrant de savoir. Bah, après moi je joue pas du tout à BO3 mais je m'intéresse un petit peu au jeu quand même. Et c'est à peu près tout en tout cas pour la description du gameplay. Pour ce qui est du sujet, alors aujourd'hui je vais vous parler de Code 4 Remake. Alors là je sais, je vois déjà tous les commentaires, oh non pas encore Code 4, etc. Mais je vais pas exactement vous parler de Code 4, je vais vous parler du fait qu'ils fassent des codes remasterisés. Parce qu'en effet, Code 4 remasterisé, c'est à la base un Code 4 qui était en 2007. Pour ceux qui ne le savaient pas, bah, maintenant vous le savez. Et je me suis dit, alors pourquoi pas qu'ils nous fassent d'ici 2 ans parce que... On sait que l'année prochaine c'est Sledgehammer qui va faire le prochain jeu qui avait fait AW, donc qu'ils nous fassent pas un remake d'AW, ça sert à rien, personne jouera dessus. Mais par contre quand il y aura Treyarch, donc dans 2 ans, ça serait bien qu'ils nous fassent soit BO1 soit BO2 remasterisé, ça serait vraiment stylé je pense et tout le monde aimera ça. Et surtout j'aimerais que s'ils refont BO2 remasterisé, déjà qu'ils nous mettent toutes les bonnes maps, donc que ça soit Hijacked, que ça soit Raid, etc. Qu'ils nous mettent pas genre Aftermath, etc. Bon c'était pas mal hein, mais par rapport à Hijacked, etc. Bon ça rivalise pas quoi. Et surtout qu'ils mettent la compétition dessus. Alors ça serait mon rêve, qu'ils remettent la compétition sur BO2 parce que ça avait cartonné à l'époque, c'était peut-être la meilleure compétition de tous les temps, en tout cas au niveau de Call of Duty, c'est sûr et certain. Moi, je regarde la compétition depuis BO2 notamment, parce que j'en ai fait beaucoup. Et franchement, c'est là où c'est le plus plaisant à regarder, avec peut-être VO3 aussi, c'était sympa. Et voilà, donc qu'ils remettent la compétition dessus, ça serait super stylé. Et puis, je vais même aller plus loin, je me dis, voilà, depuis quelques années, bon, les codes s'essoufflent, les ventes sont un petit peu moins bien. Et voilà, est-ce que vous connaissez Counter-Strike? Je pense que tout le monde connaît Counter-Strike et connaît le principe de Counter-Strike, c'est que le jeu existe depuis 10 ans, à peu près, hein, dans ces zones-là, et sauf que la compétition est aussi depuis, bon, on va dire à peu près 10 ans aussi. Et disons que le jeu, lui, n'a pas évolué, en tout cas, il a juste évolué au niveau des graphismes, et chaque année, il rajoute une petite map, des fois, voilà, ou une map remasterisée. Et c'est juste qu'au début, le jeu n'était pas beau, bon, il était au graphisme de l'époque, et puis il a évolué au cours du temps, et maintenant, au niveau graphisme, il est quand même pas mauvais. Et je me suis dit, pourquoi pas, au lieu de nous refaire des codes chaque année qui, des fois, sont mauvais, je vais pas citer de nom, bien sûr, parce qu'après, je sens dans les commentaires, va m'insulter, donc je vais dire des codes mauvais, pourquoi pas s'arrêter, genre d'ici 2-3 ans, on s'arrête, puis ils nous font un BO2 remasterisé de ouf, ils nous font un autre code bon, de style Space Warfare, enfin, un truc comme ils veulent, puis ils mettent la compétition sur BO2, puis ils s'arrêtent là. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que vous savez que chaque année, code change. Donc chaque année, les jeux, les anciens codes, il n'y a pratiquement plus personne dessus. Et quand on voit un jeu comme BO2 qui est énorme, et de voir que tous les gros joueurs sont partis sur les prochains jeux, ça fait quand même assez mal au cœur. Enfin moi, en tout cas, ça me faisait assez mal au cœur de me dire, la compétition est morte. Alors quand Ghost est sorti, la compétition était pratiquement morte sur BO2. Donc voilà, c'était un petit peu chiant quand même. Et je me dis, voilà, il pourrait finir sur un BO2 remasterisé et un autre jeu, ça retournera. Et pendant genre 4, 5, 6 ans, ils refont des maps, ils améliorent les graphismes, ils rajoutent de nouvelles armes. Franchement, je pense que ça pourrait être une super idée. En tout cas, je pense qu'au niveau des ventes aussi, ça marchera bien. Parce que Counter-Strike, au début, il n'y avait pas beaucoup de ventes. Puis petit à petit, vu que le jeu a persévéré dans la durée, les gens continuent à l'acheter. Et moi, je sais que mon petit frère a acheté le jeu il y a à peine 1 an, alors que le jeu est sorti il y a 9 ans et qu'il connaissait le jeu bien avant. Donc voilà, je pense que ça serait bénéfique pour eux, ça serait bénéfique pour nous. Puis, je pense que vous aussi, vous serez d'accord avec moi que BO2, voilà, c'était vraiment une tuerie. Alors, pourquoi pas faire ça aussi avec MW2? Pourquoi pas faire ça avec BO1? Voilà, c'est juste une idée. C'est juste que, voilà, moi, j'ai préféré BO2 au niveau de la compétition. Donc, pourquoi pas, après, faire ça avec votre code préféré? C'est à vous de choisir, bien évidemment. Donc, je pense que, voilà, le principe est stylé. Après, est-ce qu'il sera faisable? Je pense pas, parce que le but c'est de faire de l'argent quand même au niveau de Treyarch, d'Activision en général. Leur but c'est de sortir des nouveaux codes et que ces codes cartonnent chaque année. Et surtout de faire aussi des nouveaux trucs, genre largage de ravitaillement à 20 euros, etc. Donc
Voilà, je pense pas que ça sera possible, mais au lieu de nous faire des codes qui bon, bah, sont parfois mauvais, pourquoi pas nous faire tout simplement un truc remasterisé, ça serait bah, vraiment stylé, je pense. Donc voilà, c'est à peu près tout. La nucléaire, je crois, est terminée, donc vous l'avez vu, il nous a fait plus tranquille en plus de ça. Le gameplay, lui, est terminé aussi. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce petit commentaire. Et dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous aimeriez que... Bah, Treyarch, enfin Activision nous fasse un truc comme ça, ça serait vraiment stylé. Et dites-moi si vous aussi vous voulez peut-être plus développer le sujet, me dire des choses en plus, bah qui vous ferait plaisir. Donc voilà, gens, c'était Bitrix et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus!